Monsieur Chagnon, comment devient-on le président du groupe Vidéotron, le patron de Télémétropole? C'est peut-être le trait d'un entrepreneur. Il a toujours cherché de nouveaux défis. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui voit une opportunité. Il voit des risques, mais il ne voit pas tout. Peu de gens comprenaient les choses comme André Chagnon. C'est son assurance qui était remarquable. Quand on voyait André arriver dans le bureau, c'est quoi son idée, là? La compagnie a évolué très vite. On n'avait pas vraiment le temps d'absorber un changement qui en arrivait un autre. Tout était reporté en direct. C'est fantastique. Au lieu d'avoir une salle de 1000 personnes, il y en avait une de je ne sais pas combien de centaines de milliers de personnes. Quand on a un leader qui voit 25 ans en avance, c'est passionnant. Il arrive à un moment, M. Chagnon, où le Québec est en pleine ébullition, ce qu'on va appeler le Québec Inc. C'est un peu comme si André venait d'inventer Internet. Serait-il le Bill Gates du Nord? Ça vous fait quoi de voir des titres comme ça ce matin? Rogers engloutit Vidéotron. Les employés se sont sentis la marchandise. Québécois rennent les grands moyens pour acheter Vidéotron. Je n'attendais pas que mon père puisse accepter de vendre. Vous avez dû vivre des inquiétudes à ce moment-là. Il faut toujours faire confiance. Puis quand on aime quelqu'un, il faut le suivre. C'est qu'un combat, chaque jour, dans sa tête, il ne dit pas que ça va finir à 100 ans. Pour lui, c'est pas la fin, ça. Oui, il disait, il est malade, ça n'a pas de bon sens. Il croit sur l'oreille.